Badapapam. Badapapap. Ah oui, d'ailleurs, Mintos va sûrement lancer son live à 9h. N'hésitez pas à aller chez Mintos. D'ailleurs, il vient de lancer, donc n'hésitez pas à aller chez Mintos. Très important, c'est un meilleur streamer. Donc, allez chez Mintos. Directement, là, tout de suite. Mufige, merci pour les 5 mois. Très important. Bonne matinale. Pour faire un bingo. Non. A plus. Bonne journée chez Mintos. Amusez-vous bien. Et ensuite, quand Antoine arrivera, vous direz tous chez Antoine. Je fais ce que je veux à leur nom. Allez, on ouvre la boutique. Moi, je préfère rester ici. Non, partez tous, voir personne. J'avoue que la création du bingo, c'était sympa, mais là, voilà, là, maintenant, on joue à TCG, bon, c'est un peu nul, donc... c'est pas le content. Il faut qu'on rachète des cartes. J'ai 16 000 balles dans le jeu. Mais attends, mais c'est beaucoup en vrai. Attends, mais la richesse. La richesse, what the fuck. On peut agrandir, je crois. Parce qu'on a vraiment un intérêt à agrandir. On pourrait acheter les licences des figurines. On pourrait agrandir quand même. Et ça fait quand même très longtemps que j'ai pas joué à Mario Party. Je pense que je vais être très nul. Et que Sakor, c'est le GOAT des jeux vidéo et qu'il va être très fort de base. On rappelle un top 3 Zilan. Ah oui. Eh oui. Hop là. On va ouvrir un peu de paquet. On va voir si j'ai de la chance. Si j'ai de la chance maintenant, ça veut dire que j'en aurai pas tout à l'heure. Et inversement, si j'ai pas de chance maintenant, j'aurai de la chance tout à l'heure. C'est maintenant qu'on va calculer notre chance. J'aurais aimé. C'est important la chance sur Mario Party. D'ailleurs, on pourrait même faire un petit test sur random.org. Vu qu'on va jouer à Mario Party, on peut faire notre petit test. Je peux vous montrer d'ailleurs comment ça fonctionne. Random.org pour ça, si vous voulez tester votre chance. Vous allez voir, c'est un test que j'ai inventé. Ça marche, voilà, c'est véridique. Hein. C'est absolument prouvé scientifiquement par moi-même. Et en fait, regardez, c'est très simple. Vous allez sur random.org, ce site-là. Vous mettez True Random Number Generator, vous rentrez min 1, max 2. Et ensuite, l'idée, c'est que vous allez essayer de deviner ce qui va tomber avant de cliquer sur Generate. Là, par exemple, je vais dire 1. Eh bien, il s'avère que c'est 1. Donc, j'ai gagné, donc ça va forcément commencer par une victoire. Ça veut dire que maintenant, on va tester le nombre de victoires d'affilée que je vais réussir à faire. Par contre, si vous commencez par une défaite, vous testez le nombre de défaites d'affilée que vous allez faire. C'est ça qui va déterminer votre chance ou votre malchance. Donc là, j'ai gagné, donc déjà, c'est cool. Maintenant, est-ce que ça va être neutre? En gros, si je perds maintenant, c'est neutre. Et en fonction du nombre de fois que je vais gagner, ça va être incroyable. Donc là, je vais dire 2. Et ben, c'est perdu. Voilà, donc... Ah, GG. C'est donc neutre. J'ai une chance neutre aujourd'hui. N'hésitez pas à faire le test. Et dites-moi si vous êtes en plus 2, plus 3 ou moins 1, moins 2, moins 3. Voilà. N'hésitez pas évidemment à me dire jusqu'où vous allez. Faites le test sur random.org. 3 défaites. Aïe, 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 aïe. Voilà, voilà, bonne journée. Imax, only. Merci pour les 31 mois, merci beaucoup. Déjà, ce qu'on fait en astuce, vu à la télé. Vu à la téloche. J'ai pas vu. Oh, mais voilà, il met des titres. Putain, j'aurais dû mettre Antoine met un titre putaclic. Du coup, tout le monde va regarder chez Antoine. Mais allez voir chez Antoine, de toute façon. Ouais, voilà, il a déjà écrit je n'ai jamais gagné une seule fois. Ah, bon. C'est-à-dire que, voilà, c'est bon. On peut déjà cocher la case. On peut déjà cocher la case, hein, c'est littéralement son titre. Donc, on a déjà une case. Voilà, c'est... Normalement, ça devrait se mettre en vert bientôt.
Ah, incroyable, ça marche. La régie est là. La régie est là. Le pico qui est déjà complété alors qu'on n'a même pas commencé la partie. Hein. Ça fait déjà une case. Magnifique. Oh, 10 balles, c'est nul à chier. T'es sur TikTok, la régie a du délai. Je comprends. Comment ça t'es sur TikTok? Que tu traînes sur TikTok toi? Parce que je suis jeune. Déjà c'est pas vrai. Voilà. La régie elle a un samedi, magnifique. Non mais ça c'est incroyable. Ok, valeur totale, y'a rien. Non mais ça veut dire qu'on aura de la chance tout à l'heure. Et ça c'est important. C'est important pour bien énerver les adversaires. Comment ça c'est pas vrai, on a pas 30 ans. Ah c'est... Oui mais est-ce que c'est une raison de regarder TikTok? Je pense que les plus de 30 ans. Moi j'ai rien dit, hein. C'est MDAT qui l'a assumé. Hein. Il a dit que les plus de 30 ans c'était des vieux. Hein. On est d'accord. Une raison pour regarder TikTok. Oui. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, TikTok c'est le doom scroll. C'est le doom scroll et en fait. Tu commences à scroller, puis tu scrolles, puis en fait tu vois que bah, finalement tu te dis non mais je... Et là il est 9h04, à 9h05 j'arrête. Et puis en fait tu te rends compte que oh putain, oh, bah, il est déjà 9h08, allez j'arrête à 9h10. Et puis après il est 9h14, et tu fais allez dans une minute c'est bon j'arrête. Et puis bah après il est 10h20. Et t'es là, oh non. J'ai rien branlé aujourd'hui. Voilà. Oh non mais il y a un puant. C'est lui Lyon. Voilà. Voilà pourquoi TikTok c'est pas bing. Oh 44. Il fait quoi l'anti-puant? Il bosse. Ouais, il bosse, c'est juste qu'il y a deux puants qui sont rentrés en même temps. Ils ont trouvé la strat pour rentrer. 21. Bon, on a rendez-vous en vocal hein, pour le Mario Party dans 40 minutes. De toute façon, ça va être le temps que tout le monde s'installe, que les autres lancent leur live, qu'ils disent bonjour, qu'ils remercient leur 1 million de subs par minute. Hein. C'est comme ça. Et là, on va quand même jouer avec la jet set de Twitch. Hein. On va quand même jouer avec des stars. Par seconde, évidemment. C'est des stars d'internet, c'est les stars de Twitch. Ils ont tous été invités à ce fameux événement nommé le The Event. Oh, 195. Oh, elle est belle. Le truc, c'est que... On va voir tout à l'heure, mais... Organiser un Mario Party... Avec Antoine et Mintos, notamment, c'est prendre le risque de me faire bannir des soirées du lundi. Effectivement, j'ai vu ce message tout à l'heure et c'est vrai que ça, c'est pas impossible. Il peut arriver que je sois carrément ouais, ban. Pourquoi ?
Je sais pas. Je sais pas. Franchement, non, ça devrait pas arriver. J'ai joué 2 heures au jeu, donc c'est ok. C'est ok. Je me retiendrai de donner des astuces. Comme ça, ça paraîtra crédible. Parce que si je commence à dire quelles sont les strats pour gagner les mini-jeux, je vais être cramé. Donc je ne dirai pas. Je sens les mains. Oh non, je suis tombé de la plante. Le mini-jeu de la plante où tu montes là. Oh non, putain, j'arrête pas de tomber. Oh, après, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Franchement, honnêtement, je pense que... Déjà, j'ai fait froid, j'ai les mains froides. J'ai pas joué au jeu depuis 1 an. Donc, honnêtement, c'est pas garanti la victoire. Je lui dis, c'est pas garanti du tout. Et puis, il y a Sakor, le fast learner. Et c'est pas comme si Mintos et Antoine n'avaient jamais joué au jeu non plus. Voilà, c'est pas du tout une free win garantie. Excuse des mains froides. Non mais par contre j'ai vraiment les mains froides. Regardez cette couleur de main. Est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux et me dire que j'ai pas les mains froides là? J'ai des mains de cadavre donc là j'ai littéralement des mains de cadavre à l'heure actuelle. Voilà. Oui. Ça change pas d'habitude. Ah non mais quand il fait plus chaud au moins déjà quand il fait plus chaud il y a les veines qui ressortent. Et c'est un petit peu plus rosé. Ça t'engourdit pas les doigts. Non mais de toute façon on va réchauffer ça. T'as pas de chauffage. Bon pff, vite fait quoi. Non mais l'avantage c'est que quand j'aurai déménagé dans mon appart à Montpellier, j'aurai il fera chaud déjà de base. Et ça sera plus facile à chauffer vu que ça sera du littéralement alors je crois qu'il y a chauffage au sol. Voilà, du chauffage au sol déjà. Chauffage au sol. Et bah c'est du 37 mètres carrés, donc plus facile à chauffer avec des normes de... Des bonnes normes, hein, évidemment, maintenant, au niveau de l'isolation. On est sur une baie vitrée, on est sur une... Enfin, c'est pas une baie vitrée, mais... Enfin, c'est pas une baie vitrée, c'est... Si, est-ce qu'on appelle ça une baie vitrée pour sortir sur un... truc qui coulisse, quoi. C'est une porte coulissante, une fenêtre coulissante. En aluminium, hein. Donc évidemment, c'est extrêmement bien pour le son. Même si je vais être dans un coin plutôt calme, en réalité. Mais quand même. Ça fait plaisir. C'est pas vraiment une porte-fenêtre, ça se coulisse. Le chauffage en 2024, c'est surfait. Bonjour. Ouvrons des cartes. Ouvrons plus de cartes, parce que là, je pense que c'est scandaleux qu'on n'ouvre pas de cartes. 65. Achète un chauffe-main. C'est pas un truc qu'on met au micro-ondes, non? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas un truc que tu... Comment ça marche déjà l'échauffement, là? C'est pas un truc que tu les claques? Tu fais quoi? Tu les frottes fort? Et ça réchauffe? Bonjour Lily. Je veux pas avoir un employé qui s'occupe de voler les paquets de cartes. Non mais t'es fou, s'il ouvre une carte de dingue, il va la voler. Je peux pas trust les employés ici. Hein. Déjà, c'est bizarre, il me prend de l'argent tous les mois. Donc déjà, ça c'est chelou. Donc, en plus, si on lui donne des paquets de cartes à ouvrir, il va les voler. Cochoqué. En vrai, à mon taf, chaque hiver, il merde sur le chauffage. La tech pour bosser dans ces cas-là qu'on a tous, ou presque, c'est les mitaines. Oh, donc les mitaines. Donc les mitaines, ça peut m'être bien. Après, moi, quoi qu'il arrive, en fait, j'ai froid jusqu'au bout des doigts. Je sais pas si j'ai la maladie de Raynaud, je ne pense pas. Mais disons que le sang a du mal à aller jusqu'au bout des doigts. Donc généralement, j'ai les bouts des doigts très froids. Les extrémités sont... Ouais, je me caille les extrémités.
Des moufles. Jouer avec des moufles, après c'est compliqué. Enfin, streamer, jouer avec des moufles. Syndrome de Renault talalala. Talalala. Pas le même. Hein. Jean-Philippe Ria, bonne journée. Bien au niveau 35 du magasin. Et comme quoi ça monte, hein. On a l'impression que ça monte pas, mais en vrai ça monte. La maladie de Renault, c'est l'alcoolisme. On se balle. Oh, 18. 15, 14. Pa 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 pa. 15 balles. Bonjour messieurs, ça vous intéresse des paquets? Ce sont mes paquets! Enfin non, pardon, pardon, vous les achetez évidemment. Oh! 104. Elle est belle. 27 à chier. Donc pour le moment, comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas de chance sur ce jeu. Mais c'est pas grave! Ça veut dire qu'on garde la chance pour tout à l'heure. Dans le nombre de Renault, j'ai connu quelqu'un qui l'avait, c'était abusé, bichette, une démarcation de fou sur les doigts. Le bout était blanc, plus, et elle douillait tellement. Ah merde. Ah oui non, j'en suis pas à ce stade. Par contre, j'ai les mains qui deviennent violettes. Moi, quand j'ai froid, je deviens tout violet. Voilà, je deviens tout mauve, tout bleu, tout mauve. Les lèvres et tout. Voilà. Moi, une fois que... Si je vais dans l'eau froide... Si vraiment je vais dans de l'eau froide, je me transforme en les bonhommes de Attention à la marche. Les petits potes, là. Voilà. Donc bon. Tu deviens Thanos. Sans les muscles, globalement. Mais c'est ça. Fais pas l'Everest du coup. Ah merde! Ah putain, j'avais prévu de le faire la semaine pro, alors... maintenant que tu me le dis, je vais peut-être le pas le faire du coup. Ouais non, je vais pas le faire, je pense, du coup. Bon bah j'annule. J'annule l'Everest. J'annule l'Everest, mesdames et messieurs, parce que quelqu'un m'a dit de pas le faire dans le chat. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est annulé. Mince. Ah, j'ai voulu faire comme tout le monde, voilà. Je me suis dit que c'était peut-être la solution pour relancer ma carrière. Oh, 27. 18. Je relance à 10h ta carrière. Bon, je relancerai du tout à 10h. Hein. Moi, ils vont finir ma carrière, hein, les autres. Hein. Moi, j'ai proposé le Mario Party parce que je suis fou, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont enterrer ma carrière tout à l'heure. Hein. Vous pensez que ça va faire gagner en visibilité, mais totalement l'inverse. Ils vont m'enterrer vivant. Ils vont me tuer dans l'œuf. Niveau 35, qu'est-ce qu'on peut acheter au niveau 35? Non, Mario Tennis. Ah là 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 là. Mario Tennis, ça serait très bien, mais Mintos et Antoine n'ont jamais joué. Par contre, le cher Sakor, oui, il a bien spammé le jeu. Ça tâte, hein, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Mario Tennis, alors que c'est un jeu exceptionnel. The Binding of Isaac Multi. On y a tous joué, sauf Sakor, je crois. Je sais pas s'il a joué Sakor. Je crois pas. Je crois pas qu'il ait joué à Isaac.
C'est pas sourd. Quoi, ça coûte combien la licence? 6000! Bon, on va attendre un peu. On va attendre un peu avant d'acheter cette licence-là. On va attendre le niveau 37. Antoine, sur Lican, je suis trop heureux. Comment ça? Finalement, on joue à Lican? Ah non, mince, on joue à Mario Party. Mais c'est bien, hein. C'est le mec qui a pas, le mec qui organise une session, mais en fait, qui a pas l'info que c'est pas le même jeu, que c'est pas le bon jeu, finalement. Ça part sur un autre jeu. Le trap, le piège. Il y a eu des nouveautés sur ton jeu. Pour Lican? Non, pas pour l'instant. Le bigot qui tombe à l'eau. Oui. En vrai, c'est la fermeture du magasin et quelqu'un veut... Tu veux quoi, toi? T'as pris 3 paquets de berde? Allez, faut qu'on mette des cartes. C'est parti. Doublon! Oh, le petit doublon à 177, à 127, à 62. Et mes doublons, ils ont de la valeur. Hein. Antoine a déjà joué à Lican, ouais, deux fois. Tout à fait, et il a détesté globalement. Il a complètement détesté, il a trouvé ça horrible. Malheureusement, bon bah voilà, c'est comme ça. Hein. Alors. En gros, à chier. Pas sur du 34, 34, 27, 25. Les prix ont diminué ici. Aïe, aïe, aïe. 21. Mais pourquoi il manque une carte là? Tu trolls ou c'est vrai? Alors. Je. Il a dit ça, que le jeu était à chier. Ça, il l'a dit, c'est vrai. Par contre. Les soirées où il avait joué, il avait plutôt apprécié. Mais par contre, ça l'empêche pas de dire que ça a chier. En fait, le problème, c'est qu'il dira jamais que quelque chose est bien. En fait, si c'est une connaissance qui a fait quelque chose, il pourra jamais dire que c'est bien. Voilà. Et le problème, c'est que là, on est au stade où... il dira que c'est toujours de la merde, ce que je fais. Mais bon, normal, hein. Normal. Tintin. Ma copine préfère les sessions Lican que les sessions Lockdown Protocol, si ça peut te faire plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Après voilà, je... Grand respect à Lockdown Protocol, hein. Bravo pour les millions engendrés, hein. Ici on est toujours en... Voilà, bon là on est toujours en galère. Mais c'est pas grave, c'est peut-être un jour. Peut-être un jour sur un autre jeu, je sais pas. Oh... Franchement, le succès, il se joue. La différence, c'est pas grand chose, quoi. À quelques millions. Quelques millions d'euros, en vrai, c'est, ça va. Ça marchait à ce point, ouais. Ça, globalement, ça a marché 20 fois plus que Lican. Parce que ça a pris sur les TikTok, les fameux TikTok américains. Et du coup, bam, explosion. Tous les Américains sont mis à acheter le jeu. Propulsion du jeu dans le monde entier. Et GG. En fait, si ça atteint les États-Unis, c'est souvent quand un jeu atteint les États-Unis, c'est game. C'est combien sur Lican pour le dev?
Alors, je sais pas si tu connais un. Il y avait ONU. Il y avait Trem. Il y avait Dorian aussi, globalement dessus. Et voilà. Une équipe sympathique. Voilà. Mais une belle équipe. Faut qu'on reprenne ses peluches aussi. Oh, et hey, oh. Vous avez vendu 5000 copies. Plus en vrai. Plus. Plus quand même. Faut revoir à la hausse les ventes. Mais Lockdown Protocol, je crois qu'ils ont vendu vraiment une quantité phénoménale. Et pour un prix deux fois plus élevé. Enfin, 2,2 fois plus élevé. Donc, explosion. Et il faut partir, monsieur. Eh oh, faut partir. Les addicts. Attendez, il y a un message Discord. Est-ce que c'est eux pour qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire marcher? J'espère que Sakor est réveillé. Ah! Oh oh! Oh no! Ça, on l'avait pas mis dans le. On l'avait pas mis dans le bingo, ça. Sakor pas réveillé. Il est encore 35 minutes, ça va, ouais. Peut-être que, vu qu'on a dit 10 heures, après ça veut dire qu'il faudrait modifier les goals s'il est remplacé. Enfin, les goals, les... Le bingo. Il y a quoi qui inclut sa core? Je crois qu'il y a 2 ou 3 trucs qui incluent sa core quand même. J'espère qu'il sera là, hein. Ah là 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 là. Sinon, on peut trouver qui comme remplaçant, si jamais. Qui stream le matin et qui joue à Mario Party. Et qui connaît les autres. Sinon, on invite Iron Mouse, hein. On tente de jouer avec Iron Mouse, je pense. Iron Mouse, c'est parti, quoi. Denis est en live. Non, il est en train de dormir. Il est juste en rediff. J'ai rien vu, Emdal. J'ai rien vu du tout. J'ai pas vu. Alors. Hop là. Tonton, mais tonton, il joue pas à Mario Party. Alors je pense qu'il doit avoir une Switch, mais. Mais tonton, c'est pas trop le joueur Switch. Après, on peut mettre un bot, hein. On peut jouer à 3 et mettre un bot difficile. Ça peut créer des trucs, hein. Franchement, dans le pire des cas, on met un bot difficile, hein. Ou un master, un bot master. Botmaster va les fumer. Le botmaster va les fumer dans les mini-jeux. Ça va leur faire tout drôle. Même moi, ils peuvent me fumer des fois. Hein. Alors que j'ai spammé le speedrun contre des botmaster. Donc bon. Les botmaster ne rigolent pas. Nanana.
Non mais au pire bot hard c'est ok. Sinon on met un bot hard pour le remplacer. Pour le remplacer. Ça devrait suffire. J'ai fait la propale. Tu vois bien. Non mais on sait jamais, après peut-être qu'il va débarquer hein. Faut que je rachète des boosters, qu'est-ce que je fais là-dedans? Ah oui, non, des tabletop, pardon. Je go pour ma partie. Ah plus, Foxaco. Et merci d'ailleurs, parce que hier, avec Foxaco, hier soir, il m'a appris les bases de la MAO. Et c'était vraiment très intéressant et trop trop cool. Gestion du petit déj là, what? J'ai appris plein de trucs. Bon, je sais pas où ça va, ça on va le mettre en bas, on verra bien. Il y en a trop en fait. Des boîtes de 12. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous pensez que si on scanne le QR code, ça marche vraiment ou pas? Regardez, il y a un QR code. Est-ce que si on scanne le QR code, vous pensez que ça amène vraiment sur le site officiel de ce jeu de société? Oui, ça redirige vers le site. Non. Non, attends. Attends. Pour de vrai. Genre là. Bon, ne faites pas ça chez vous, hein. Ne scannez pas les QR codes que vous connaissez pas. Ici, je suis un professionnel. Voilà, je suis un professionnel. Il arrive pas à le détecter quand même. Ah, il arrive pas à détecter le QR code. Il y a une boîte où on voit mieux. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Un QR code, tant que tu ne suis pas le lien, c'est ok. Exactement. Mais il faut faire attention parce que des fois, le lien, c'est un lien chelou. Donc, faites attention. D'ailleurs, si vous trouvez une clé USB dans la rue, n'hésitez pas à l'insérer dans votre PC. Non, ne faites pas ça, ne l'insérez surtout pas. D'ailleurs, si vous trouvez une clé USB perdue, on n'y touche pas. Hein. On n'y touche pas, on l'insère surtout pas. Dans un PC. À part le PC des gens que vous aimez pas. Mais sinon, on n'insère pas une clé USB trouvée random. Je l'insère dans l'ordi du boulot. Surtout si t'es banquier, je pense que c'est vraiment le truc à faire. Si vous êtes banquier et que vous avez trouvé une clé USB chelou, paf, vous la mettez directement sur le PC. Du patron, carrément. Du directeur d'agence. À mon avis, ça va bien se passer. Imagine, il y a des bitcoins dessus. Putain, c'est vrai que ça serait quand même dommage de louper ça. Hein. Ça serait quand même dommage de passer à côté. Les jeux de plateau sans prix. Ah oui. J'arrive pas à modifier les prix. J'ai un PC poubelle ça au labo pour vérifier. Et il est pas connecté en réseau.
Faut pas qu'il soit connecté au réseau, par contre. Bon, je pense que tu le fais. Voilà, je pense que pas connecté au réseau, mais... Sinon, ça peut effectivement se propager. Bon, il est 32, est-ce que Sakor a lancé son live? Est-ce que ce cher Sakor Ross, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est non. Est-ce que je lui avais donné l'heure à Sakor? Oui, l'heure est partout. Non, mais en vrai, l'heure est partout. C'est du trolling si jamais... Salut, à partir de quel niveau on peut avoir un employé? Très tôt dans la game, je crois. Très tôt dans le jeu. Il s'accorde du repos. Je profite de ce moment de malaise pour fermer les yeux et me reposer. La nuit a été bizarre. J'ai pas bien dormi cette nuit. C'est rare, hein, mais cette nuit, j'ai pas bien dormi. Est-ce que c'est parce que je stressais de jouer avec Antoine, Daniel, peut-être, hein. Je pense que c'est pour ça. Hein. Je pense que j'avais trop la pression. Et en vrai, du coup, ça m'a empêché de dormir. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est 100% ça. Hop. Mais l'avantage, c'est que je serai nerfé. Il a trop fait la fête avec son interclub de ping. C'est vrai que Sakor fait une OP. Alors, c'est pas vraiment une OP, on peut pas. Ouais, on va plutôt s'appeler une collaboration. Avec la Fédération Française de Tennis de Table. Et il va essayer de grind les divisions du tennis de table. Et partager tout ça, les résultats, les scores, les machins, les trucs, les compètes. En vrai, c'est un peu stylé. En vrai, c'est un peu stylé, donc allez voir Sakor et n'allez plus sur cette chaîne, par pitié. N'allez plus sur la mienne, allez voir uniquement Sakor. Ok, je m'en vais. Bah, il est pas là, mais dès qu'il est là, tu casse-toi dès qu'il est là. Pars, cours, fonce. Bon, ça fait combien d'années qu'on n'a pas ouvert des cartes, là? Je pense qu'il est temps d'en ouvrir un maximum. Salut, t'es arrivé à ce niveau-là en si peu de jours sans changer les réglages. Ouais. Comment j'ai fait? Eh bien, c'est très simple. Je fais des heures sup. À 21h, j'ouvre des millions de paquets. Voilà. Et surtout, ne se baie pas, effectivement. Ne se baie pas, comme je l'ai déjà dit hier. Aujourd'hui. Ce mois-ci, on a eu 3 OP. On a 3 OP sur ce mois. Donc, pas besoin de se baie. Voilà. C'est le Mintos Mons. La progression devient excellente à partir du niveau 30. Ouais, ça malheureusement. On peut pas y faire grand chose. C'est moi qui recevoir cette annonce. T'as vendu les grosses cartes ou tu les collectionnes? Je les collectionne. Vous voulez voir ma collection ou pas? Vous voulez voir ma collecte? C'est vrai qu'on la regarde jamais, mais... Donc là, on a une vitrine avec des cartes sympathiques, avec quelques ghosts, des cartes à grosse valeur, des très belles cartes full shiny, là. On a des full art. Si on trie l'album par prix, regardez. Waouh! Mais attends, on avait quoi? On avait ça! 4690! Oh, celle-là, elle est... C'est quelque chose, hein, cette carte. Quelqu'un. D'ailleurs, on va peut-être retravailler la vitrine. 2043, 1737, 1727, 1571, 1500, 1500, 1400, 900.
Ça, c'est pour les normales. Et pour les destins, on a du... prix. 2044, 1200, 1000, 1000, 1000. Pas mal en vrai. On va retrier ça un petit peu. Elles valent combien celles-là? Eh, regardez ça, hein. Ça vaut cher. Hein. Oh, 4000, 3000, 3000, 2000. Wow. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la fantôme qu'on n'a pas posée ici. On va la mettre là-dedans. Parce que sont trop belles. Parce qu'elles sont trop belles, les ghosts. Et on va prendre celle-là, celle-là et celle-là, les plus chères, et les mettre là-dedans, là-dedans et là-dedans. Voilà. C'est mal la vitrine. Quelque chose pour savoir combien vaut ta collection. Ouais, elle est écrite en bas à droite. Ah, bah c'est là où je suis globalement, donc il y a écrit 47 510. Que je cachais, littéralement le montant que je cachais. 47 000 balles dans le classeur. Bonjour tout le monde, ONU Love ONU. Dans la vitrine, il y a aussi un peu. Merci Aurel Kenobi qui resub pendant le Mintos Monde, c'est fou ça. Carton, on n'a rien à faire, ça. Bon, je vais prendre un 2 sur le Mario Party, la régie est en pause. Oh shit. Il a bien compris que c'était 9h45 du matin. MDR. Normalement, oui. J'ai dit quoi à Sakor ? Moi, je lui ai dit Mario Party avec samedi ou dimanche matin. Non, mais il a vu l'heure, je l'ai reprécisé dans la conve. Mais je l'ai bien précisé le matin. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait ce cher D'accord et l'herbe. En plus, attends, mais en plus, c'est qu'il a écrit hier. Hein. Il a dit MDR, quand tu vas moodplay sur le fait d'avoir choisi la sortie gauche ou de droite, je vais voir flou. Voilà, donc il est quand même conscient. Il est quand même au courant. Tu lui as précisé quel samedi. J'ai bien dit samedi. Ah là 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 là. Après voilà, s'il n'est pas là, il n'est pas là, hein. Est-ce que quelqu'un a son numéro de téléphone, là? C'est un stream en matin. Mais en plus, c'est un stream en matin, normalement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? J'appelle son agent. Ah ouais, appelez Solari, faites un truc. Il va ruiner mon bingo. Oh, 31. 21. Bon, allez. On va bientôt les 20 000 balles, hein. Bientôt la richesse. On a rendez-vous en vocal dans 4 minutes. 3 minutes. Et là, il débarque hors live en mode « Salut les gars, je suis mort, je lance pas mon live, mais je suis là avec vous quand même. » Ça, c'est pas impossible. Ça, on n'est pas à l'abri en vrai. Mmh. 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 Mmh.
194, elle est belle. Mmh. 165, incroyable. D'accord, à 5h du matin, il a cut son live. Non, mais il a cut son live à quelle heure? Étoile en remplaçant? Bah écoutez, moi j'aurais pu proposer étoile de base si c'était un streamer matinal. Voilà. Oh, magnifique. Magnifique, on sent que la chance commence à arriver. C'est parce qu'il est bientôt l'heure du Mario Party. 963 shiny. Clawlos. Il a cut vers 22h30 après sa compétition de ping-pong. Ben 22h30, ça va, non? C'est lui Dark Illusion. Ça va être 45. Faut que je prépare à aller dans le VOC. Putain, il y a déjà Antoine. J'ai peur. Attendez, est-ce que j'afficherai pas le Discord quand même? Oh là là. En vrai, pour les toiles, les gens, c'est une fin de soirée. Je sais pas, hein, peut-être qu'ils traînent, hein, peut-être qu'ils traînent par là. Ou peut-être qu'il y a un JD qui traîne par là. Après, JD sur le jeu, c'est, voilà, c'est un peu broken. Mais ouais, JD le matin. Après, qui se rappelle du Mario Party avec Bibi, JD et toi et moi-même sur une matinale. Qui se souvient de ce Mario Party légendaire? Qui était là à ce moment-là? Qui s'en souvient? C'était improbable. Le Mario Party avec Étoile, Bibi et JD. Où JD et Bibi, ils étaient en mode, ils sont les meilleurs potes. Vraiment, ça m'a fumé. Ah, c'était exceptionnel. Il est 45, faut que je me démute, je vais me faire engueuler. Allô? Allô, ça va? Allô, bonjour, j'ai failli être en retard, mais c'est bon. T'es un peu en retard en vrai. Hein. Ouais, ouais, quelques. Ah, pas autant que ça, Core, par contre. J'pense. Bah, quand même. Ouais, oui, ça c'est. Ça, c'est vrai que ça, Core, ouais. Il est. Oui. Bah, il est pas là hein, pour l'instant. Hein, bah, donc, là, il est vraiment juste absent, quoi. Pas en live. Pas qu'il est en retard, c'est qu'il est absent. Il est... C'est genre. Ah, c'est. Ouais, pas de live, pas de nouvelles. Peut-être appeler ses parents, hein, pour savoir. Mais peut-être on va appeler les parents du petit accord. Ouais, ça serait bien. Ah sinon, non, sinon, on peut toujours trouver quelqu'un d'autre s'il y a quelqu'un. Ou alors un bot hard, hein. Je pense qu'il vaut un bot hard. Le bot hard, voilà. Ou le bot maître. Ça c'est bien pour Mintos, le bot maître. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est bien pour Mintos. Ça, tu sais, j'ai bien. Jamais gagné une seule game sur ce jeu, donc ah, le bot hard... Ah mince, je savais pas que t'allais dire ça, c'est cocher la case. Je savais pas, mec. Ah oui, mais pourquoi t'as fait un bingo? Je fais un bingo. Ah, j'ai fait un petit bingo, je me suis dit pourquoi pas. Ce matin je me suis levé tôt, donc un petit bingo. Ouais. Oh, t'as fait un bingo. Ouais, 2-3 cases. Mais du coup, si Sakor est pas là, ça casse un peu le délire parce que j'avais 2-3 cases avec Sakor. Ah oui, oui, je vois. Ah, et ça, c'est bah un oui, peu mais bah, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il fout. Je pense qu'il dort, hein, globalement. Bah, en vrai, il a bien raison de dormir, hein, tu sais que c'est important. C'est tout à fait important, mais il s'est engagé. Il s'est engagé. J'ai bien précisé le matin en plus. Hein. J'ai vérifié le message. Ah, ouais, ah oui, oui, mais même apparemment, les gens qui étaient sur son live hier ont dit qu'il avait dit demain matin, tu vois. Il avait dit ça. Hein. Ah, après, voilà, techniquement, le Mario Party est censé être à 10h, c'est juste qu'on était censé se retrouver en vocal à 9h45. Oui. Bah, je me suis dit, il y avait peut-être des setups, des gens tu sais, qui ont des problèmes avec leur Nintendo Online. Je prévois, je suis prévoyant. Bah, je sais pas, normalement, j'aurais pas de problème avec mon Nintendo Online, je pense. Non, mais ça peut arriver. Oh merde, j'ai plus mon Nintendo Online, quelqu'un peut me l'acheter, tu vois. Voilà. Ah oui, oui. Bien sûr, je ne me permettrai pas de faire une chose pareille. Non, pas toi, évidemment. Non, bien sûr. Et Minto, c'est en retard. Minto, c'est un corps d'or. Quoi ? Et Minto, c'est en retard aussi. Bon, il en profite. Minto, hein. C'est méga en retard. C'est abusé, là. C'est très laxiste. Hein. Ouais, très bah, laxiste, dès que c'est le Minto. Matin. Hein.
Ah oui, oui, c'est terrible. Ça se passe comment d'ailleurs cette semaine matinale là ? Bah vraiment très bien. Très bien. Je pense que tu as pu le constater un petit peu. Tout va bien, il n'y a pas de soucis. Ouais. On se régale, ça m'a permis de découvrir Satisfactory. Ah. Ça m'a permis de découvrir TCG Card Shop Simulator, bien sûr. Je vais chier, hein, je vais chier. Et tu joues à l'heure actuelle, bien sûr. Oui, mais c'est parce que ça fait des stats, tu sais. Moi, c'est uniquement pour ça hein, que je live ce jeu. C'est pas vrai. Moi, je pensais qu'il y aurait juste ce truc-là en mode aller, c'est un peu le divertissement sur un live. Et là, maintenant, j'ai envie d'y rejouer parce qu'il y a ce système d'ouverture de cartes. Mais c'est pas du tout addictif. Qu'est-ce que tu racontes ? Y a rien. Un petit peu. Y a rien. Petite carte à 116 là, mais c'est. Ça m'a rien procuré, tu vois, quand je l'ai eu. Attends, c'est quoi ta plus grosse carte à l'heure actuelle en termes de prix ? Ah, je crois qu'on est sur du 4500 ici, mais. 4500 ? Moi, c'est 2000. Ah, pas ouf. Des 2000, j'en ai. C'est genre, je dois en avoir une trentaine qui traîne dans. C'est vrai ? J'en ai pas mal. En vrai, je pense que j'en ai pas mal. Je vais te dire combien, mais. Putain, ça me donne envie de lancer là. Vas-y, je vais annuler le Mario Party. Je vais juste partir sur TCG. Oh non. Ah, désolé, bro. Ta core est pas là en plus. Hein. Fais dommage, chier, hein. Fais chier sa core là. Dommage. Alors que pourtant, c'est le gamer matinal. Et pourtant, normalement, il lève le matin. Il est du matin à la base. Hein. Ça serait quelqu'un qui lance à 16h tous les jours. Ok. Genre un étoile. Ah, attends, moi je lance à 19h45 tous les jours et je suis là. Hein. C'est vrai, bravo. Ah bah félicitations. Oui, je veux dire, normalement, enfin, bon, là, cette semaine, j'ai pas lancé à 19h45, mais quand même. Ah, c'est non, plus ça mon rythme de vrai, semaine. C'est vrai. Sinon, j'allais dire, en fait, je suis trop con, mais j'étais en mode, putain, sinon, si sa corde peut pas être là, il y a Kenny qui est en live. Il est en rediff. En fait, il est pas en rediff, il est en cookie clicker, là, parce qu'il dort. Ah oui, il dort, oui, voilà. Il est en full ce bâton. Effectivement, mais, donc. Mais c'est cookie clicker qui est allumé. Non, des fois il y a des JD. Non, mais JD le matin, c'est. Mais ça arrive. Non, tu rigoles. Non, mais attends. À cette heure-ci, Non, je t'assure, une fois ça arrivait, il y avait Étoile qui avait débarqué un matin. Il a proposé un Mario Party et il y avait Bibi et JD. C'était vraiment le Mario Party le plus lunaire. Ah, mais oui, je l'ai vu passer ce live. Il était très marrant et Bibi et JD qui faisaient genre qu'ils étaient les meilleurs potes. Ça m'a régalé. Il est plutôt du midi, d'accord, parce qu'il est souvent en retard. Aïe. Ouais. Pourtant, on avait 10 heures, hein, je crois, mais. On avait dit ça tout à fait. Ah, Mintos! Ça va? Bonjour, Mintos! Oula, c'est cool, Mintos, là. Quoi? Bah, t'as vraiment tarifé. Ça va? Ça va ou quoi? Bah, c'est parce que je suis là, désolé. Je vous écoute parler. Non, mais juste, on est un peu dépité de l'absence de notre quatrième membre. Bah, ouais. Quelle grosse merde. Oula! Quoi? Ça y est, les termes. T'as dit les termes, Mintos, là, j'ai l'impression. Grosse merde. Bah c'est un peu oulala, une grosse oulala. Merde hein, c'est clair. Alors que maintenant il fait des trucs avec la Fédération Française de Tennis de Table. C'est vrai il fait ça ? Ouais. Ça y est maintenant là c'est le joueur, hein, c'est le joueur de ping. La FFPP ? Je crois que c'est, attends, c'est la FF Tennis de Table, c'est FFTT non ? TT, ouais. Bah, moi j'aurais mis FFPP, la Fédération PP. Française de Ping Pong. Moi j'aurais dit ça. Ah. Ping Pong. Ping Pong. Pong là. Ping Pong. La FFTT. Ok, la FFTT. FFTT. Les tchouches. Ouais. Oh bah, vous savez quoi ? On lance pas tant qu'il est pas là, en fait. Ouais, on lance hein. Pas tant qu'il est pas là. Hein. Ouais, bah, oui, dans ce cas-là. Moi, je suis en train de jouer, là, Moi, je suis pas en train de jouer, je suis pas bien. Moi non plus, hein, je suis en train de rien faire du tout. Je sais que t'es en train d'ouvrir des cartes et tout. Non, tous en train de faire des trucs, y'a que moi qui suis. Non, quoi? je fais pas ça. Je vais sur ton live, t'es en train non, d'ouvrir non, des je cartes. Non, je fais pas ça. Ouais, d'ailleurs, je cache le bingo. Ah merde, pardon, je ne lis pas le bingo. Je ne lis pas le bingo, il est en train d'ouvrir des cartes. Non, rien. Il a fait un bingo pour le live de ce matin, je sais pas pourquoi il a fait ça là. Oh, c'est rigolo. C'est rigolo, oui. Rigolo un bingo. Comment il a déjà coché des trucs. Non. Antoine, mauvaise foi, hop, c'est fait. Non, c'est. Il avait mis Antoine se plaint qu'il n'a jamais gagné sur ce jeu ever. Voilà. Ça, c'était coché avant même qu'on commence. Hein. De toute façon, je vais te focus, hein, tu sais, comme d'hab. Tu vas me focus ? Non, Antoine. Ah, ok, c'est bon. Mais non, il va toujours me. En fait, c'est pour ça que je perds. Tu vas se jouer avec Mintos et Mintos me fout le focus parce que ça le fait rire. Il a bien raison. Voilà. Et moi, au bout d'un moment, je vais juste live la game avant la fin, quoi. Il va juste pleurer, quoi. Non, je vais juste live la game avant la fin, quoi. Super. Je suis la game, ok. Je suis la game, quoi. Bonne journée en fait. Voilà, je suis juste. Il veut juste te faire partir du matin, il en aura le cul. Comme un gros bébé. Tu
Putain, il y a quelqu'un dans mon chat là. Partage d'information de bannissement restreint banni sur la chaîne de Mintos. Oh non, mais ça c'est tout le monde ça. Ça c'est la moitié. Il a banni la moitié du Twitch. Ça c'est vrai par contre, je suis d'accord avec toi. Mais moi je subis pas les gens qui m'énervent. Je sais pas. Il a dit. Merde, son message c'est. Je suis ban chez Mintos simplement parce que j'avais raison et Mintos avait tort. Bah oui. Je suis pas étonné. Je lis son pseudo pour savoir si t'avais raison ou tort. Son pseudo. C'est écrit comme ça. Peut-être que t'avais... Je vais te dire si t'avais tort ou si t'avais raison, Mintos. Et c'est quoi son pseudo Fémar ? Attends, je te le mets, je te l'envoie. D'accord, et vas-y, j'arrive et je sors du lit. Non ! Ah, il a précisé, je sors du lit. Oh, du coup ! Tu sais, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais trouvé une excuse. Non, mais là, j'étais... C'est ça, son pseudo, Mintos. Pas bien. D'accord, a dit, ouais. Il bondit du lit. J'arrive, je sors du lit. Je suis là dans 5 minutes. Oh là là, en 5 minutes ? Mais il va faire quoi en 5 minutes ? Je me rappelle pas. Hein. C'est Mintos banni par Mintos en 2023. Il a dit quoi ? C'est mon petit frère. C'est mon petit frère ? À quand tu stream squad avec Astarion le bon ? Non, mon petit frère, so long. Quoi ? J'ai envie de chier, bordel, j'ai plus de PQ. Ok. C'est la commu, hein. C'est la commu. Là, pour le coup, je trouve qu'il avait raison quand même. Bah, ouais. À quand Normand Tavo dans la soirée du lundi, s'il vous plaît ? Voilà. Eh ben, il a bien raison. Je vois pas pourquoi il a été banni. Tu l'as banni parce qu'il a osé dire la vérité. Tu le gardes du coup celui-là ? Quoi ? Tu le gardes du coup ? Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. On va mettre la bonne ambiance là. Oui. Oh. Bah je te le laisse celui-là, tu vois. Pas de soucis. Ouais. Tu veux un viewer, voilà, celui-là je te le laisse. Bah, moi je veux tous les viewers. Ah bah oui, bah je vois bien. Il prend tout. Il ne s'arrête jamais. Je te le laisse, y'a pas de soucis. Voilà, c'est encore qu'il sera pas en retard finalement. Ouais. Et ça, il s'en a mal parlé. Le VIP ici, c'est vrai. Oui, non, il sera pas en retard. Il sera pas en retard, vu qu'on a dit 10h. S'il est là dans 5 minutes comme il l'a dit. Putain, mais il se lève, il lance le Mario Party en live là. Moi, je faisais ça. Oh là là. L'époque Covid, je me levais, je lançais le stream je me levais à 8h50, je lançais le stream à 9h, c'était oh l'odeur. Exceptionnel. Horrible vie. D'ailleurs, sans me doucher et tout, bien sûr, quoi. Oh non. Après, moi j'avoue que je prends pas de douche le matin, c'est une soir. Pas des masses, hein, une soir. COVID, hein. Ah ouais, tu te douches le soir. Ouais. Mais bon, le soir, du une, coup, fois, là, douché, une fois par là, semaine, gros, globalement. Ouais, je vois. Ouais, super. Bah quoi ? T'en as d'autres qui sont ban chez Mintos, que tu veux savoir leur historique ? Non mais, la moitié des gens qui parlent de mon chat sont bannis chez Mintos, bien sûr. Mais sinon, c'était juste là parce qu'il avait dit qu'il avait raison et que t'avais tort. Bah, est-ce qu'il avait raison du coup ? Bah un peu. Bah mec, vu les messages qu'il a écrits, évidemment couille, j'ai envie de te dire. Ah, je le débanne alors. Je pense que ça vaut le coup que je le débanne, non, je pense pas. Oh non, moi je n'ai aucun engagement autour de cette personne, bien sûr. Ok. Je m'en fous. À vous sinon. Bah écoute, tranquillou hein. Ah ouais. Les gens ils étaient tristes hier que t'étais pas en live Antoine hein. Ah bon ouais. Ils étaient tristes parce qu'ils étaient obligés d'être sur ton live je pense toi, non ? Bah c'est ça. Du coup j'en ai banni. C'est... Bah oui évidemment. Attends mais tu fais combien de bans par live ? J'ai l'impression que ça y va quand même chez toi Mintos. Mais pas mais moi les gens qui viennent pour se plaindre de d'autres trucs ou pas être sympa. Ah non mais c'est toi qui décides la façon dont tu gères ton chat. Il l'a pas dit mais il a mis Antoine en banward. Vu. Ah, non, c'est pas vrai. Non. Ah, si le mot Antoine sort, c'est banni. Hein. Bien sûr. Mais du coup, vu qu'on partage les informations de bannissement de chaîne, en fait, j'ai très souvent. Du banni chez Mintos. Et à chaque fois, je me dis, bon, il a juste dû être chiant un moment, vite fait. Oui, souvent, c'est souvent ça. Et toi, tu vas sur le ban dev, quoi. Ainsi, Goldrin pour les 14 ans. Là, je me suis calmé, ça va. Tu t'es calmé, t'étais un fou avant. Bah, là, je lis moins, donc. Il lit plus le chat. Et après, on dit que c'est moi, quoi. En toi, tu lis pas du tout, toi. Mais c'est pas vrai, mais elle vient d'où cette rumeur ? Pourquoi vous dites ça ? Cite-moi 5 viewers, tout de suite, là, sans lire le chat, qui sont là souvent. Clocly, Ostara Spring, tu lis, Simnico, Soldat Flippy, Mehmet Sama. Ouais, super. Bah ouais. Ah, Mehmet Sama, il est chez toi, là, ok. Ouais, bah ils sont partis, ils sont tous partis, hein. Moi, y'a plus personne. C'est un de chez moi, celui-là. Bah non, c'est un de chez moi, preuve en est. Non, mais apparemment, non. Allez chez Antoine, évidemment, allez chez Antoine. Bah non, c'est un de chez moi, Mehmet Sama.
Metsama, regardons son. Il follow depuis le 24 septembre 2018, il suit la chaîne. User 999 plus messages. C'est quelqu'un de chez moi, j'ai l'impression. Aïe. Ah non, attends, c'est comment. J'ai pas le nom exact. Anciennement abonné pendant 9 mois. Comment ça, anciennement, Mehmet Sama? Tu veux un ban? Attention. Moi, j'adore les non-subs, hein, personnellement. Moi, j'adore tout le monde. Parce que j'aime pas l'argent. Moi, j'adore tout le monde. Et j'adore l'argent. Ah oui. C'est vrai que la voix de Minto, c'est un peu faible. Je vais peut-être la monter, hein. Soit c'est le matin, soit, oui. Soit c'est faible. Bon, c'est les deux, hein. Je vais monter à 200. T'es pas en forme parce que c'est le matin, Mintos ? Non, mais je suis bien là, c'est juste que je suis pas forcément obligé de faire gagac tout le temps. Ah bon, mais bon, quel est l'intérêt de streamer avec toi, tu fais pas gagac, j'ai envie de te dire. Tu pourrais le faire, il y a peut-être une case. Pas forcément obligé de gueuler comme les soirées du lundi tout le temps, tu vois. Bah, oui, mais c'est goût gagac, mec. Déjà. N'oublie pas. Rien à voir. N'oublie pas, mec. Ah, il est là, regarde. Attends, 2018, toi ? Ouais. Metsama ? Ouais. À moi 2019. J'ai pas d'argent, bah voilà, du coup je viens chez toi. Chez moi donc. Ah. Là c'est le tien. Mais Metsama, tu peux repartir s'il te plaît, merci. 999 plus message chez moi. Ouais, mais moi aussi, hein. Mm. Ah ouais, moi aussi. Bah c'est bon, je récupère les gens qui n'ont pas d'argent, c'est parfait. Ça vous intéresse pas de toute façon. Genre t'aimes pas l'argent. Tellement. Oh là là. Allô. Oh là là. Il est en avance. 58. Salut la team, ça pile en avance, hein, genre. Incroyable, on y croyait plus. C'est 10h le rendez-vous, hein. Mais oui, c'est vrai. On est là, les gars, je suis sur ma partie. Oh bah attends. Ok, je lance le jeu. Hein, je... T'es pas en live, d'accord. Tu vas pas en live. Si je lançais en 2 minutes, là, vite fait, là, je suis un peu la tête dans le. T'inquiète, bah mets pas la cam tout de suite, au pire. Franchement, mais t'inquiète, mec. Prends ton temps, surtout. Vas-y. Prends ton temps. Bah vas-y, je lance la Switch, là. Pareil, hein. Gâteau. C'est parti. Du coup, faites quoi, là, la Switch. Sacré Ross, quoi. Bah ouais, ça fait plaisir de vous de oh. voir là. Bah ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Ah, ma manette se connecte pas. Et bah c'est perdu, dommage. Oh allez, c'est fini. C'est pour ça que j'avais mis 9h45 pour les problèmes technicos. Non, mais ah là, c'est Unitrum va péter un plomb. Ah, je suis. Sur la Switch. Moi énervé, tu m'as déjà vu énervé ou pas? Parce que fou là là. C'est vrai que je t'ai jamais. C'est vrai que tu imagines pas. Ah, c'est dur à imaginer, je pense que ça surprend. Il a balayé une grand-mère. Il a balayé une grand-mère. Ah ouais, c'est grave quand même. Ah si c'était non, que ça. Si c'était que ça. Hop. Ah, il était bien ton jeu sous OPSP là, hein, hier. Hein. Le vélo. Mais... Ouais, mais le c'était vélo. Bien.